Et bonjour les amis, c'est Stelly78, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet du jour, mon top 5, Survey horror. Aurore. Alors, un avis purement subjectif, d'accord Ça n'a pas été évident de trouver 5, je l'avais au moins 20 en tête. Mais après, par élimination, je me suis dit, je vais essayer de trouver vraiment ceux qui pour moi représentent vraiment la survie, le Survey horror, Aurore, tout simplement. Et voilà, donc j'espère que cela vous plaira. Après, en commentaire, n'hésitez pas à me dire euh, quel est votre top 5 à vous, à vous, à vous, tout simplement. Euh, le but, c'est de débattre entre nous, mais voilà, ça n'a pas été évident. Et je vous explique pourquoi ce 5-là est mon top 5 à moi. C'est parti. Top 5. Allez, number 5. Zombie ou sorti Day One sur la Wii U. Ce jeu, pour moi, représente la quintessence du Survival horror. Ce jeu a été pensé à la base pour avoir le gamepad pour jouer. Euh, pour avoir le gameplay asymétrique de la Wii U. Donc jouer à la fois sur la télé et sur le gamepad. La spécificité de ce jeu, c'était que le jeu ne se mettait pas en pause. Donc lorsque l'on était mal en point ou qu'on voulait prendre des munitions euh, ou des vivres, en fait, il fallait s'assurer qu'il n'y ait personne autour de nous. Mais plus d'un joueur est mort, justement, en pensant être tranquille. Donc en prenant son sac à dos, le sac à dos, pim, arrivait sur le gamepad, en essayant de chercher des vivres, et se faisait croquer, en fait, par un zombie qui n'avait pas vu. Et du coup, bah, c'était stressant. Il fallait sans cesse être autargué. Toujours surveiller ce qui se passait. Et pour moi, c'est la quintessence du survival horror. Parce que ce jeu-là était stressant pour ça, en fait. Il n'y avait pas de pause. Il fallait faire très, 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 très attention. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment original. Super. Euh, le gamepad de la Wii était très, très, très bien exploité. C'est dommage que, justement, beaucoup n'ont pas réussi à l'exploiter de cette manière-là. Parce que je pense que la Wii a eu un meilleur succès. Mais ce jeu-là, pour moi, représente la quintessence du survival horror. Pour la simple et bonne raison, je vous dis... Le fait que le jeu ne se mettait pas en pause, c'était stressant, parce qu'on pouvait se faire croquer. Du coup, lorsque le personnage se faisait croquer et était zombifié, on, hitait, on le perdait définitivement. Il fallait tout simplement recommencer le jeu avec un nouveau personnage, essayer de retrouver la personne précédemment zombifiée, donc le personnage que nous avions avant, le tuer, pour essayer de prendre son sac à dos. Parce que dans les sacs à dos, on trouvait des livres, des munitions, ce qui nous permettait d'aller loin dans l'aventure. Mais lorsque le personnage... L'on avait récupéré en fait se faisait mordre par le personnage précédemment eu qui était zombifié. Et eh ben ce qui se passait, c'est que non seulement notre personnage mourait aussi, mais du coup on perdait tout ce qu'il y avait dans le sac à dos. On n'avait qu'une chance de récupérer ce qu'il y avait sur le sac en fait. Et si jamais on avait la même chance de perdre ce qu'il y avait dans le sac à dos, ben, on redémarrait vraiment tout nu. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour avancer dans le scénario. Donc la quintessence de Sorier un excellent jeu, franchement pour moi, il est légitime qu'il soit en stop 5. 4 Number 4 Project Zero, un jeu mais stressant à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que dans le jeu, on a tout simplement une collégienne en fait qui est à la recherche de son frère et elle se retrouve dans un manoir. Alors, ce qui est inquiétant dans le jeu, et ce qui était bien fait aussi pour l'époque, c'est le sound design, l'atmosphère lugubre, très euh, film japonais, très Ring, donc euh, avec des esprits à droite à gauche, et c'était stressant parce qu'en fait, les esprits, on ne pouvait les voir qu'avec son appareil photo en Sachant que c'est une frêle jeune fille en plus, c'est pas, pas un guerrier que l'on a, bah, c'était de plus stressant parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui, qui est fait pour combattre en fait, tout simplement. Et le fait de des fois d'entendre des bruits bizarres, on prenait la, la, la caméra du coup, on cherchait, on cherchait pour savoir ce qui c'était. Et des fois, quand on cherchait, on qu'on arrivait pile poil devant l'esprit, on va nous arriver dessus et c'était stressant. Donc il y avait des sursauts, euh, une atmosphère vraiment bien faite, un sound design excellent, euh, un jeu vraiment très, 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 très stressant. Et Qui plus est, pourquoi est-il dans mon top 5 Parce qu'en plus, lisez bien là, je ne sais pas si vous voyez, tiré de faits réels. Apparemment, ce jeu est tiré de faits réels, de phénomènes paranormaux qui ont eu lieu au Japon. Euh, suite à plusieurs enquêtes, il se trouve que, apparemment, ce qui s'est passé est réel. Donc, on se dit quand même, le jeu est tiré de faits réels, si la personne a vraiment vécu ça, punaise, elle a été courageuse. Hein Donc, euh, ouais, Project Zero, vraiment un jeu stressant que je vous conseille de faire. Number 3. Dead Space. Dead Space, une saga chère à mon cœur. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, je vais tirer à boulet rouge sur la société Electronic Arts. Hein. Comment avoir l'intelligence de garder les studios, franchement, mauvais par moments et de décider de dissoudre le studio Visceral Games qui a impondu Dead Space En sachant qu'ils n'ont pas fait que Dead Space, bien avant, ils avaient créé le superbe jeu Dante's Inferno. Allez savoir par moment. Hein. Il se passe des choses des fois dans le monde vidéoludique incompréhensible. Dead Space. Ces gars-là, c'est des génies. Ils ont créé un survival horror dans l'espace, un peu dans la veine d'Alien. On voit qu'ils s'en sont inspirés, mais avec sa propre identité. On se trouve dans un vaisseau avec des xenomorphs, en fait. Donc xenomorphs, en fait, c'est les personnages, enfin les ennemis du jeu. Et la particularité du jeu, c'est qu'on pouvait les démembrer. Il ne suffisait pas seulement de tirer dans la tête, on pouvait leur couper les membres, euh, la tête et tout ça. Et pour l'époque, c'était bien fait parce que le moteur physique était super bien fait. Et ce qui rendait le jeu stressant aussi, c'est par c'est ces moments d'accalmie, ces moments d'action et surtout des fois des jumpscares euh, qui étaient savamment orchestrés, des jumpscares auxquels on ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'il suffisait d'arriver dans un couloir, à un moment donné, je vous donne une scène, hein, la lumière s'éteint. Donc on va la mettre à la main, on s'arrête c'est qu'est-ce qui se passe la lumière se rallument et là on se dit j'avance ou pas parce que c'était quand même bizarre et le bruit ouais, les sound design euh, les musiques d'ambiance les bruitages étaient vraiment stressants contribuaient au stress du jeu et là on se dit j'avance ou pas et au loin on voit une ombre on se dit il ah, y a un ennemi qui m'attend donc on avance à au point mais avec le stress hein vraiment petit à petit et quand on se retourne en fait on se rend compte que non c'était euh, la flamme d'une bougie en fait qui était reflétée contre le mur mais de loin on pensait que c'était un ennemi et là, la, la tension retombe, on se dit, ouais, c'est bon, euh, voilà, c'était bien fait, mais il ne se passe rien. Et genre 2-3 minutes après, lorsqu'on arrive dans une pièce éclairée, par exemple, là, il y a un ennemi qui nous en saute dessus, mais on ne s'y attendait pas, donc on fait... Ah! Et c'est ce genre de jumpscare qui est excellent, c'était des génies. Visceral Games, c'est des génies, ils ont réussi à faire un survival horror vraiment flippant avec des jumpscares auxquels on ne s'attendait pas. Incroyable, tout simplement incroyable. Dead Space à faire et à refaire. J'ai mis du temps à le finir. J'ai mis du temps à le finir parce que des fois je me fais je me une pause, je passais sur un autre jeu et après je vais revenir parce que il mettait les nerfs à vif. Number 2. Et là je vais en surprendre plus d'un. Sûr. Resident Evil. Et là il y en a qui vont me dire oh, il est fou lui, il a pas mis numéro 1. Quand je parlerai de numéro 1, vous allez comprendre. Mais Resident Evil. Inutile de vous présenter cette saga. Inutile aussi de vous, vous, vous dire, mais je vous le dis quand même. C'est ma saga de jeux vidéo préférée de toute l'histoire. Je suis absolument fan de Resident Evil, donc je vous parle en connaissance de cause. Et même en étant fan, je le mets en deuxième position pour en première parce que j'arrive à rester réaliste et me dire quel est le jeu qui m'a procuré le plus de peur. Celui-ci, oui, mais l'autre, c'est encore pire. Resident Evil, alors l'histoire commence avec des disparitions dans les montagnes Arclay au sein de Raccoon City. D'accord, il y a l'équipe Bravo des Stars qui est dépêchée sur place. Pour enquêter sur ce qui s'est passé, d'accord N'ayant plus de nouvelles de cette équipe-là, il l'équipe Alpha qui est dépêchée sur place pour essayer d'enquêter sur la disparition du premier groupe. Et là, tout démarre dans un manoir, tout simplement, dans un manoir. La première scène, quand on arrive dans ce manoir, je me rappelle, on, porte, on cherche et tout ça, on arrive dans une porte, un petit couloir, petite cinématique, on voit un zombie en train de manger un de nos anciens coéquipiers. Et là, on, on, on part. Et c'était stressant pour l'époque. C'était stressant. Alors j'ai choisi la version Gamecube, parce que pour moi c'est la quintessence de Resident Evil. En réalité, c'est la version de 96 que j'aurais dû mettre, le tout premier Resident Evil. Le tout premier Resident Evil qui a révolutionné le survival horror. Parce que oui, c'est pas Resident Evil qui a été le précurseur. Le précurseur, c'est Alone in the Dark. Eh ouais, un jeu de chez nous, un jeu français. Mais celui qui vraiment a donné sa quintessence, c'est Resident Evil. Surtout que Jimmy Kami, le créateur du jeu, c'est lui qui a inventé ce terme sur voir qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est lui qui l'a créé. Mais il heureusement, ce jeu-là donne du stress, une ambiance extraordinaire, des plans de caméra façon film qui fait que par moment, quand on avait l'autre joueur, on était comme ça, on entendait les zombies, euh... mais on sait pas trop où ils étaient en fait. Donc on, on cherchait comme ça à vue, et par moment, quand ils arrivaient juste euh, devant nous lorsque la caméra le permettait, bah, c'était stressant. Enfin, on leur tirait dessus, donc soit on les loupait. Et là, ils pouvaient nous croquer. Bon, après, il y avait toujours des herbes, pour, euh, des herbes en fait. C'est avec ça qu'on se soigne, en fait, tout simplement. Mais c'était stressant, en fait. Donc, euh, l'ambiance, lugubre, euh, un son extraordinaire, beaucoup d'énigmes, ce qui, en fait, était hyper intéressant. Euh, la première scène, on arrive dans un couloir, il y a les chiens qui traversent la vitre, tout ça, c'était stressant. Personne ne s'y attendait à l'époque. Maintenant, tout le monde le sait, mais à l'époque, personne ne s'y attendait. Euh, avec un retournement de scénario, de scénario avec un scénario... Euh, avec euh, un retournement de situation au sein de la même équipe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne vais pas vous en parler là, mais de toute façon, je pense que la plupart le, le de quoi je parle. Mais des retournements de situation au sein d'un même groupe, euh, un scénario plus intéressant qu'il n'y paraît, et euh, plein d'ennemis, il n'y a pas que des zombies. Ensuite arrive le Hunter, hyper stressant, avec leur démarche, super, et le tirant à la fin du jeu. Je veux dire, il y a plusieurs sortes d'ennemis dans le jeu, et tout démarre dans un dans le manoir, puis après on se rend compte que le manoir a plusieurs étages, à plusieurs endroits, il y des jardins, faut aller à droite, à gauche. Euh, le jeu est vraiment extraordinaire et le Rebirth, c'est une merveille. Pour moi, c'est le meilleur de l'histoire, tout simplement, le meilleur jeu euh, Resident Evil de l'histoire. Parce qu'en plus, ils ont réussi à refaire un plan de scénario avec Lisa Trevor, qui est un nouveau personnage qui amène encore plus de background à la série Resident Evil. Un shader, et vous le précisez, moi je vous dis, je suis un grand fan. Une saga qui a sorti plein de persos charismatiques. Que ce soit Chris Redfield, Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield, Barry Burton, euh, Albert Swesker. Albert Swesker, quel perso Franchement, quel perso Un antagoniste mmh. pfff, extraordinaire. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas 1. Mais vous allez comprendre pourquoi. Number one. Alien Isolation. Je crois que c'est le jeu le plus flippant que j'ai jamais fait de ma vie. Ce jeu, en fait, se déroule dans un vaisseau, dans l'ostromon, en fait, enfin, pas dans l'ostromon, enfin, se déroule dans un vaisseau, d'accord. On est la fille d'Hélène Ripley, fille de la saga Alien, enfin fille de l'héroïne d'Alien, Hélène Ripley. Et à la recherche de sa mère, elle se retrouve dans un vaisseau où il y a justement ce Xenomorph. Et oui, il n'y en a qu'un seul. Et le jeu est stressant avec un seul Xenomorph. C'est ça où c'est fort, parce que les créateurs du jeu ont fait. La prouesse pour moi d'avoir créé l'une des intelligences artificielles les mieux conçues de l'histoire. Le xénomorphe s'adapte à notre façon de jouer, à ce que l'on fait. Et c'est stressant parce qu'en fait, on ne peut même pas le combattre. La seule chose à faire, c'est de se cacher ou essayer de détourner son attention. Et on a juste un appareil, un détecteur de mouvement qui était stressant quand on commençait à stresser. On l'entendait, on l'entendait, on restait comme ça. On se dit, il est où Il est où Parce que la subtilité en plus du truc c'est qui pouvait très bien passer par les tuyaux par le côté par le bas en face et par moment on se cachait parce qu'on pouvait faire que ça de toute façon on se cachait, en espérant qu'il passe et pouvoir continuer sa route on se cachait mais là on se retournait et là il nous croque et là game over on est obligé de recommencer bon il y a un point de check un checkpoint mais c'était stressant franchement d'avancer dans ce jeu d'avancer à tâtons je crois que j'ai jamais vécu ça franchement une intelligence artificielle de malade mental, extraordinaire ce qu'ils ont fait le Xenomorph, c'est un stress, mais un truc de fou. C'est euh, ce jeu, c'est euh, la quintessence de Survival Horror. Vraiment, la quintessence de Survival Horror. Donc, un jeu à faire qui n'a pas connu le succès mérité, honnêtement. Mais une tuerie monumentale. Et voilà, les amis. Alors, je sais qu'il y en a très bien qui vont me dire hey, :« il a pas parlé de ce jeu-là. Il a pas parlé de ce jeu-là. » Je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à faire. Un top 5 Après, bien sûr, il y a des mentions honorables, notamment les Silent Hill, chez dœuvre aussi, chez dœuvre aussi. Notamment le 2, qui est incroyable. Mais pour moi, c'est moins sur horror, c'est plus un thriller psychologique. Pour moi, c'est plus psychologique, ça y plus que vraiment viscéral sur horror. J'aurais pu mettre Outlast. Outlast, effectivement, où on a un caméraman qui enquête dans un asile avec uniquement sa caméra, il peut juste se cacher. Pareil. Mais bon, sinon, c'est des vidéos qui durent une heure, donc j'ai fait un choix, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la notification pour avoir les prochaines vidéos, tout simplement. Ciao ciao les amis.